Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir le jeu Super Retro Retry. Ah. Mais c'est incroyable. Ok. Bravo, vous avez complété 1%. Ah, c'est ce genre de saloperie. Ah ouais, mais en fait, on va pas jouer longtemps du tout. Et si à chaque fois, faut se retaper tous les niveaux qu'on a fait avant. Fais gaffe au coup de genou. T'inquiète, je vais faire attention. Il lurque avec amour, nous dit Monsieur Mad. Bah, c'est bien gentil de sa part. C'est très fort. Ouais. C'est ce que j'ai vu aussi. Hein. En fait, c'est pas tellement que c'est fort, c'est que le son est ultra aigu. Et quand même des fois je comprends pourquoi le jeu est gratuit. Hein. Non, en vrai pour ceux qui aiment bien, why not? Mais il aurait fallu proposer un mode où tu peux aussi ne pas avoir à recommencer à chaque fois quoi. Ça existe vraiment des jeux où tu dois tout refaire? Eh oui. Une petite prédiction pour le temps avant que tu rage quitte. Oh, je dis 20 minutes max. C'est dessiné par des enfants de 4 ans. Oh. Au moins, c'est pas tout le temps la même chose. C'est... C'est quoi le brin d'herbe là? Mais quel jeu de fils de nain! Bon, mon record c'est 7%. Je savais exactement ce que je faisais. Pas là. En vrai, estimation 20 minutes, t'es quelqu'un d'endurant? Oui. Mais... Nouvelle prédiction commence. Égard Vug va rage quit dans 20 minutes. Ou moins. Ça tombe jamais, hein. Pour l'instant, j'ai fait 3 minutes. C'est pas mal, 3 minutes aussi. C'est qui que t'essaies de convaincre avec ces pas mal 3 minutes? C'est moi-même. Non mais si vous aimez les jeux vraiment très durs, punitifs et pas du tout satisfaisants, le jeu peut vous plaire. Mais non, mais je croyais que t'allais faire le tour, espèce de fils de nabo là.
Allez. Allez, on essaie au moins de battre notre record. Non, au moins, ce qui est bien, c'est que tu, en plus de ça, tu dois être ultra précis. Donc, je trouve qu'il y a un côté vraiment satisfaisant. Et que j'apprécie beaucoup. Bah après, si t'aimes la tête du perso, il y a plein de jeux avec ce carré avec des yeux. Là, pour le coup, ils n'ont pas été très innovants. Ça existe sur pas mal d'autres supports. Ok. Ah, moi je trouve mignon aussi. Je suis Team Clem. Ça peut faire passer le temps pendant les longs trajets d'avion. Bah c'est vrai que si t'aimes déjà pas l'avion et que t'as envie de te faire encore plus chier, ça peut être sympa. Genre si tu te dis en plus du bébé qui pleure derrière moi, je pourrais jouer à ce jeu, why not? Me rend fou. Ah ah, en fait c'est Halloween qui va rage quit. Sinon j'ai découvert RoboQuest cette semaine. Oui c'est un jeu français, il faut que je l'essaye. C'est bien ou pas hein? J'avais peur qu'il soit un peu dur. Moi, les bébés qui pleurent, ça me gêne pas. Mais tu n'es pas humain, en fait, Neil. Mais est-ce que t'as déjà essayé l'avion pendant 15 heures avec un bébé qui pleure? Là, je te mets au défi de me dire que ça te dérange pas. Hein. J'aurais même pas essayé, moi. Oh, je suis sûr que ça va te plaire, Halloween. Tu veux pas essayer un peu? Non, au début, je croyais que c'était vraiment du puzzle game. Je pensais pas qu'il y aurait de ce côté de retry à fond. Il y a des modes assez faciles, donc non, pas trop dur. Ah, ok, cool. Bah, faudrait que je teste, alors. Et coucou, Karma, comment vas-tu? Vous me manquez, alors un petit coucou. Eh bien, un coucou à toi. C'est surtout que je vais partir en pédiatrie. Mon Dieu, mais pourquoi? Mais pourquoi? Dites-vous que si on avait moins de pédiatres, on aurait moins d'enfants et ce serait beau. Bah écoute, moi ça va. Je suis en train de jouer au jeu le plus fun de l'univers. Et en train de réfléchir en même temps à ce que je pourrais faire après. Ah mais le fils de Nabo! Mais non, mais non, mais non! Ça se voit, tu t'amuses? Ah. Bah, grave. Ah, mais ils sautent trop. Et j'ai le nez qui me gratte. Et j'ai le gratte qui me naît. Que va-t-on faire? Mais c'est un jeu de fils de nain! Mais ça va trop vite! Putain, et c'est que les premiers niveaux. Hein. J'imagine pas l'horreur que ça devient avec le... Avec le temps. C'était ironique? Ah, ok. T'inquiète, j'avais compris. Et pour le retour, un coffre pour toi dans 3, dans 2, dans 1.
Tu as enfin trouvé un peu d'amour dans ce monde de brutes. Bien joué. Oh. Je coupe le son jusqu'au prochain jeu. Oh, t'exagères. Et dommage pour toi. Hein. Oh non, on est mort. Oh, c'est mignon. Eh oui, il y a des coffres mignons. Donne un coffre en attendant que je me fasse des raviolis. Eh bien, voici pour toi. Et bon ravioli. Incroyable, tu as trouvé un fusil. L'occasion rêvée pour toi d'enfin mettre une cartouche. Ben, félicitations, Neil. Dis Clem, le choix bleu, le choix 1, c'est moins de 20 minutes ou c'est plus? C'est 20 minutes? Tu viens de te faire pousser par Neil. Mais attendez. Attendez une minute. Comment Clem... Hop là! Effacé par le mode. Et en plus, derrière, tu vas te faire attaquer. On n'attaque pas la modératrice ici. Hop! Bim! Dans ta face! Et du coup, vous aviez dit quoi? Bleu, c'était pour plus ou moins de 20 minutes? Tu es la meilleure! Tu oses me gifler? Oui. Tu me jettes une tomate et ça m'aveugle. Mais j'en ai rien à foutre parce que j'ai pas écrit. Et je peux pas être Théo. Chez. Moi qui t'ai donné de l'argent. Enfin, tu m'as donné 1 euro là où tu devais m'en donner 4. Donc on va peut-être pas exagérer. Aïe. Bon ok, je me suis quand même pris une tomate. Le bleu, c'est 20 minutes et le rose, c'est encore moins que 20 minutes. Ok. Écoutez, je vais essayer de faire honneur à la team bleue, mais je promets pas. Juste par plaisir de faire perdre Halloween. Non pas que j'aime la faire perdre, mais j'aime la faire perdre. Aïe. Non, non, mais t'inquiète pas, Neil. C'était juste pour répondre à ton commentaire de moi qui t'ai donné de l'argent. Mais en vrai, je m'en fous. Hein. De base, t'étais pas censé en donner tout court. Puis, hey, qui sait, peut-être que tu vas gagner ce samedi. Et peut-être qu'en gagnant ce samedi, tu vas récupérer le sub que tu aurais dû gagner la semaine dernière. Si tu avais pu. Tu avais joué seul. Je rigole. Hop. Non, non, mais vraiment... Si tu m'avais promis un truc à la con, why not, tu vois. Mais quand il s'agit d'argent, gardez-le pour vous. Bah, tu passes ton temps à dire que c'est galère de bouffer niveau thune, donc garde ton argent. Non. Et ce sera pas celui d'après parce que je vous ai prévu un caout total spécial pour après. Donc ce sera avec des thèmes que j'ai fait moi. Dommage. Donc ce sera début 2024, le tien, Neil. Bon, est-ce qu'on va au moins réussir à faire plus de 7%? Mais c'est giga dur! Bah justement, garde ce que t'as économisé.
s'appelle Hippopette. Je suis désolé, la team bleue, hein, ça devient dur. Allez. Ça perd l'hippopette. Bon, on se fait du Have a Nice Day un petit peu après. Je ferai une ou deux parties et puis ensuite on s'arrêtera là pour ce soir. Il faut que je continue à bosser justement pour samedi et pour vendredi. Putain, mais du coup, moi j'avais dit que c'était un puzzle game, mais c'est pas du tout un puzzle game. Enfin, ouais. Très vite fait, quoi. J'aurais dû me douter avec le retry que ça allait être de la merde. C'est un rush kit game. Ce sera un beau genre, ça. J'ai paniqué. Allô ? La connexion ? Elle est mourue. Bon, allez. Bah voilà, c'était super retro retry. Si vous n'avez pas de vie et que vous êtes triste et que vous avez envie de l'être encore plus, n'hésitez pas. Des bisous.